Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous préparer des produits. Je vous prépare pas des produits pour la compagnie aujourd'hui, fait que c'est vraiment pour mon usage personnel à moi. Donc, on va y aller grosso modo, on calculera pas trop les recettes, mais je vais quand même vous donner des cues si vous voulez essayer à la maison un petit peu de vous en faire. Fait qu'aujourd'hui, j'aurais aimé faire un masque et un sérum. Pour ma peau à moi, parce que là, je trouve que tranquillement, tu sais, les belles journées arrivent. En fait, tranquillement, ça a été instantané, en fait. Mais là, on est dans les 30 aujourd'hui, voire 39 de ressenti. On est exposé énormément au soleil, il fait chaud. On est déshydraté, dévitalisé. Le soleil, ça vient vraiment chercher, ça vient vraiment déshydrater nos peaux. Moi, j'ai des taches de vieillissement, des taches brunes qui peuvent apparaître aussi à l'occasion. Fait que c'était vraiment pour traiter tous ces symptômes-là que je voulais aller chercher. Puis comme moi, j'ai une peau sensible, j'ai quand même choisi des ingrédients aussi en fonction de tout ça. Vous allez pouvoir à la maison changer les ingrédients si vous le souhaitez. Puis c'est super simple à la base. Là, vous allez choisir les ingrédients que vous voulez, puis vous y allez comme vous le sentez. Surtout quand c'est pas pour la vente. Fait que voilà. Fait que dans le fond, par quoi je veux commencer, c'est le sérum. C'est super simple en fait, un sérum. Je vais tasser les autres ingrédients pour le moment, parce que j'ai pas de besoin. Ici, dans le fond, j'ai mon macérat. Un sérum, dans le fond, à la base de l'effet, c'est supposé être un tonique. Ça peut être une substance en fait qu'on peut expliquer comme ultra concentré. Fait que ce qui est important, dans le fond, c'est que vous pouvez aller entre 1% à 5% d'huile essentielle. Puis chez les huiles essentielles, en général, ou sinon, ça peut être l'acide hyaluronique ou vraiment des substances qu'on appelle qui vont être thérapeutiques, qui vont avoir des effets, les effets qu'on veut aller chercher dans notre sérum, dans notre tonique, justement. Puis plus on va les concentrer, plus ça va être un sérum, puis plus il va être dispendieux aussi. Fait que c'est aussi la raison pour laquelle en cosmétique, quand vous allez acheter un sérum ou un tonique, ça peut vous coûter un petit peu plus cher s'il est vraiment très, très, très concentré. Puis souvent, c'est des petits flacons, c'est vraiment des petites quantités. On n'en applique pas beaucoup non plus. On peut ne pas les appliquer tous les jours aussi. Tu sais, vous allez avoir des gels contour des yeux, ben ça peut être des sérums aussi, tu sais, si on veut traiter les rides, les problématiques de peau, les rougeurs, les choses comme ça. Mais changez vos ingrédients pour les contours des yeux, il y a vraiment d'autres choses qu'on peut aller chercher de plus doux. La base d'un sérum, c'est super simple parce que ça peut être un hydrolat, ça peut être des macérations, ça peut être des huiles, ça peut être du gel d'aloès, ça peut être un combiné de tout ça, ça peut être un gel biphasé qui est en deux phases, ça peut être une base de crème, tu sais qu'on va rajouter des aspects dedans aussi. Fait qu'on peut vraiment, vraiment jouer avec ça. Moi, je vais faire ça super simple, fait que j'ai pris une macération de rose. La rose, en fait, pour ses propriétés exceptionnelles de régénération de la peau, c'est une plante très intéressante justement pour l'effet anti-fatigue, anti-ride. C'est une plante qui est bonne pour tous les types de peau en général. Elle travaille la coupe rose, l'eczéma, etc. Fait que c'est sûr que j'ai choisi, comme j'expliquais tantôt, vu que j'ai une peau sensible, une peau qui a tendance à faire de l'eczéma, à rougir aussi. Donc, moi, j'ai choisi des produits en fonction de ça. Puis, en plus, elle assouplit, raffermit, elle a vraiment des propriétés super intéressantes, antioxydantes, anti-vieillissement, fait qu'elle peut faire vraiment partie des soins anti-âge d'exception. La rose est vraiment exceptionnelle. Puis la rose, ben, c'est la plante du cœur, fait que c'est super intéressant justement pour l'amour de soi, élever sa vibration, si vous voulez aller dans les trucs plus spirituels ou plus émotionnels, là. Voilà, on va faire ça comme ça. Puis une macération, je vais vous expliquer un peu, en fait, c'est une base d'huile végétale, là, comme ici, c'est de l'huile d'abricot qui a été pris. Et puis on a fait macérer la rose pendant minimum un mois, habituellement c'est beaucoup plus long quand même, là. On a filtré le tout et puis il y en a résulté, oui, cette huile, voilà, qui a extrait les propriétés de la rose. Ça peut être, il y a toutes sortes de types de macération. D'ailleurs, quand j'ai fait ma recette tantôt, je voulais une macération de lisse, c'était vraiment, vraiment efficace pour les taches brunes, puis le vieillissement, etc. Et puis, j'ai pas ça en stock, la macération de lisse, malgré que j'ai un atelier, puis que j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'ingrédients disponibles.
macération, un macérat de lisse, j'avais pas ça. Fait que je vais le noter, je vais m'en faire. Pour les prochaines fois, ça va pas être intéressant, je vais l'essayer puis je vous en reparlerai. Mais tu sais, ça peut être des macérations de millepertuis, macération de lavande, ça peut être plein de choses en fait. Ou vous auriez pu juste choisir une huile de base qui vous convient, qui a des propriétés aussi, que ce soit juste l'huile d'amande douce. Moi, j'ai vraiment aimé avec la rose, fait que je me suis pris ça. J'ai pas de gel d'aloe, j'ai pas rien, je voulais vraiment faire ça simple. Fait que dans le fond, ça va être mon macérat et mes 4 huiles essentielles que j'ai choisies. Fait que c'est super simple. Puis, tout dépendamment de la concentration que je vais mettre de chaque huile essentielle, si j'approche de 5%, ben là, on peut appeler ça un sérum vraiment efficace. C'est très, très, très thérapeutique. Fait que moi, j'ai des petits restants de bouteilles. Là, ça, c'est niaiseux, c'est du magasin d'une pièce. C'est ça, c'est pas l'idéal. Quand on met des huiles essentielles dans une bouteille de plastique, si ça, on ne l'utilise pas assez rapidement, possiblement qu'on perd des propriétés et que l'huile essentielle est assez forte pour aller gruger un peu le plastique. Donc, on peut retrouver ça dans nos cosmétiques. Moi, ce matin, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus de petites bouteilles en vitre. Idéalement, ça prend des petites bouteilles. T'sais, je vais peut-être leur transférer là-dedans. Des petites bouteilles en vitre en ambré. Comme ça, vous allez aussi cacher du soleil puis de la lumière. Donc, c'est l'idéal pour avoir un bon produit qui perdure dans le temps. Voilà. Fait que c'est simple. Je vais prendre mon macérat que je vais mettre. Tout simplement, j'ai à peu près un 60 ml de macération de rose, comme je l'expliquais tantôt. Ça ne remplira pas ma bouteille. Je l'avais calculé ainsi, puis c'est parfait. Je ne veux pas en faire trop pour ne pas justement le gaspiller non plus, puis qu'il soit plus bon. Fait que c'est super simple. Voilà, j'ai ma base de sérum, comme je l'expliquais. Moi, j'ai calculé un peu mes huiles essentielles tantôt pour un à peu près de ce que je voudrais comme... Moi, je veux aller dans les hautes concentrations pour avoir quelque chose d'efficace et de thérapeutique que j'utilise une fois de temps en temps. Moi, je vais sûrement l'utiliser avant le dodo, quand je sens le besoin, pas tous les soirs. Quand je sens vraiment le besoin d'avoir un traitement, un choc. Fait que quand j'ai calculé à peu près pour un 60 ml, c'est 1% à 4,5%, moi j'avais écrit d'huile essentielle. Fait que ça fait entre 0,6 ml à 2,7 ml. Si je fais 0,6 ml fois environ 30 gouttes, parce que 1 ml c'est à peu près 30 gouttes d'huile essentielle, de ce qu'on dit en cosmétique. Fait que calculer comme ça, ça me donne à peu près 18 gouttes pour 1%, puis 81 gouttes pour 5%. Si je divise ça dans mes 4 huiles essentielles, ça me donne à peu près 5 gouttes à 20 gouttes chaque. Fait que c'est quand même simple. Fait que moi, vu que j'y vais pour le 4,5%, j'ai de la lavande. Fait que je vais y aller pour 20 gouttes chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tiens. Voilà. La lavande, d'ailleurs, très, très régénérante de la peau, cicatrisante aussi. Fait que c'est super intéressant. Ici, j'ai le géranium bourbon. Il y a aussi le géranium rosa. C'est des plantes qui se ressemblent énormément en propriété. Donc, vous pouvez y aller vraiment comme vous sentez. Il y a aussi l'odeur. Moi, j'adore l'odeur. Ça sent super bon. On y va pour 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Le géranium, lui, je l'ai choisi pour, encore une fois, oui, son efficacité pour anti-âge, raffermissant, cicatrisant aussi, antiseptique, tonique cutanée. Toutes ces propriétés-là, super intéressantes. Moi, je l'aime beaucoup. Le géranium. J'ai mon Élycrise qui est très tonifiante, astringente. Astringente, là, ça resserre les peaux. Elle aussi, elle est très cicatrisante. Moi, j'adore l'odeur de l'Élycrise, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est une tonique, justement, du système circulatoire. Puis ça, c'est tout petite, ma bouteille, là, elle vaut super cher, l'Élycrise. Moi, je l'utilise aussi pour mettre dans les suppositoires, là, au niveau des hémorroïdes, puis ça. C'est ultra efficace pour les bleus, les ecchymoses. Elle travaille vraiment très, très bien au niveau circulatoire, cette plante-là. Vieillissement, coupe rose, c'est dermatose, rosacée. C'est vraiment une plante intéressante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15. Oh, j'achève ma bouteille. 15. 16. Je vais essayer de l'ouvrir. Voyez-vous, des fois, c'est des choses qui arrivent. J'en ai pas d'over de celle-là. Je vais la finir. Puis comme c'est pour moi-même, ben, il n'y a pas de problème. Je peux jouer avec le résultat. C'est un peu chiant à ouvrir. Enlever le petit compte-goutte. J'y arrive. Et voilà. J'étais à 15, 16, 17, 18, 19. Ah, c'est pas mal 20. Hein? On est chanceux. Fait que voilà, ma bête, c'était une crise. Elle est pas mal terminée. Ensuite de ça, c'est la carotte qui est le plus intéressant. Je vais peut-être justement rajouter quelques gouttes de plus. Parce que la carotte, c'est vraiment elle qui va travailler au niveau de mes taches, au niveau du vieillissement. La régénération, c'est vraiment une plante exceptionnelle pour... c'est vraiment une puissante régénérante. Un peu comme, comme la rose, le macérat de rose que je vous expliquais tantôt. J'aurais pu aussi utiliser de l'huile essentielle de rose. Mais j'en avais plus dans le moment. Fait que c'est une plante justement pour le soleil, les crevasses, les peaux ridées, les peaux de fumeur, ternes, toutes les facettes du soleil, justement, les taches brunes, vieillissement, bon, je vous ai tout dit ça. Fait que on y va pour 20. Mon Dieu, j'espère qu'il m'en reste. C'était mon huile essentielle que j'avais besoin. Je vais peut-être l'ouvrir. Il m'en reste. Je vais la... Tu sais, ça aussi, là, je n'étais pas organisée pour ça. Je n'avais pas tout préparé d'avance, là. Mais oui, vous pouvez calculer aussi vos huiles essentielles d'avance dans des petits contenants ou des petits cylindres gradués aussi. Ça peut être intéressant. Voilà, j'espère qu'il m'en reste. Fait que ça va être des grosses gouttes. De toute façon, c'est celle-là que je veux le plus. Oups, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, vous voyez, 30, on va dire que ça fait... De toute façon, j'en voulais plus. Il m'en reste pas mal encore. Ou je la vide? Non, il m'en reste quand même pas mal. Voilà, on va y aller comme ça. Tu vois, c'est un à peu près, OK? Moi, je voulais vraiment l'huile essentielle de carotte. Fait qu'on l'a, notre huile essentielle de carotte. Fait que voilà, mon sérum, il est terminé. Moi, ça fait mon enfer. Fait que, je vois que ça sent. La carotte, c'est pas l'odeur la plus exceptionnelle. Fait que si je voudrais arranger l'odeur, je pourrais me rajouter un peu de lavande si je voudrais. Fait que pour le sérum, je pense que c'est quand même simple. Fait que ça termine pour mon sérum. Alors, voilà. Je vais faire une deuxième vidéo pour le masque. On se retrouve bientôt.